Day 2, on start ça, on s'est levé à 6h. Moi, je suis allé au dépanneur. Le Steve, il fait un petit déjeuner, petits œufs bacon. Moi, j'ai fait les sandwichs. Puis il fait des sandwichs. Moi, je m'en ai sauvé. Tu as mis ton mic, toi? Non, non, c'est correct. Moi, je me suis sauvé pour me sauver de ça. Il est revenu. Donc, on va déjeuner. On rabarque la caméra gear. On cule le bateau à l'eau. Puis là, aujourd'hui, c'est là que ça se passe. On est très chanceux et très contents aujourd'hui pour découvrir qu'on n'aura pas de pluie. Là, ouais, exactement. Hey, j'ai checké le ciel, il est bleu par là-bas. Ah, 0% de pluie aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que notre journée, elle switch vraiment. Good. 90% à zéro, là. Ouais. Et petits œufs. Finalement, c'est une machinerie, les gars. Machinerie à gueule. T'as expliqué ça sans se poser de questions. Number one. Méchante belle team qu'on a ici ce matin. Hein? Oui, parfait. Bon, ben, on est-tu prête après ça? Après d'être prêt, on est prêt. Yes, sir. Yes, sir. Avec un beau Straighty 5 pouces. Regardez-moi les belles fleurs sur ce poisson-là. Yes! Et une belle teinte bleutée, hein? Verdâtre un peu, je dirais, moi. Hein? Verdâtre un peu, je dirais. Ouais, verdâtre, ouais. Mais il est vraiment beau, franchement. Hein. Regarde-moi ça. On l'avait vu sur le site, d'après moi, hein? C'était lui qu'on avait vu tantôt. Check la belle dent. Les belles couleurs qu'il y a là-dedans, tout ce beau poisson-là. Vraiment beau poisson. Avec un beau Strixy. 5 pouces. Ça doit être un 20. Facile. 22. 21 et 3 quarts. Il est déjà prêt. En pleine forme. Yes, sir. Nice walleye, man. Ça m'arrête bon? Pas une cam ou bien pas de côté? Ouais, beau doré. Beau 19, ça. 18-19 sortant. 19 pouces sortant. 20 même. Ah oh, oui, il est aussi gros. Il est beau, il est beau. Ah, il est 21. C'est beau, ça. Ceux qui disent que ça mord pas dans l'eau claire, crankbait. C'est ça? Ben oui, c'est bon dans l'eau brouille. Beau petit walleye. Full flash, là, tes couleurs. Ouais. Ouais, il est beau. Beau petit walleye. Mouth closed, 21 and a half. Fish à droite, 50 pieds. Good job! Oh, oui, je sais que je suis smart avec vous autres.
je serai droit à la bonne place. Ouais. J'avais dit, il y a une fiche à. Impossible. Ah, c'est pas super. C'est pas si gros que ça. Mais c'est beau, par exemple. Ah, ça, c'est. Ça donne pas de coup de tête à rien. Ok, ça commence. Bon, enfin. Il avait l'air beau sur le side, en tout cas. Ouais. Pour moi, oui. Je pense que oui. Il aime pas le bateau. Il aime pas le bateau. Oui. Un autre beau. Semblable, je pense. Ouais. Oh, big fish, man. Oh, yes. Tête, oui. Oh, yeah. Beau, beau. Hey, beau, gros temps. Tête, oui. Regarde-moi ça, le beau poisson. Yes, sir. Attention. Mets-tu ici. Je vais juste montrer avec encore un Monster XZ de 5 pouces. Bien noté. Ça devient beau, ça, franchement. C'est comme ça, les couleurs encore. Il y a une belle teinte, hein? Oui. Franchement. Check it. 24, 3 quarts. Un beau doré, un beau 24 3/4. Oh yeah! Fait que là, on est décollé un matin. On connaît pas trop le lac. On avait ciblé des places qu'on voulait aller. Fait que là, on était chanceux. On a croisé Dave Poitras de Fishing. C'est quoi déjà? Forever Fishing Team. Qui est drette là. Fait qu'il a clenché au bout du lac. On l'a suivi pour savoir la passe parce qu'il y a une place avec des hauts fonds, de bancs de sable. Fait qu'on voulait pas s'échouer. Fait que ça a bien fait de suivre Dave. N'oubliez pas d'aller voir sa page Facebook. Il met du beau contenu et tout. Forever Fishing Team. Sur YouTube aussi. Postaf Hummingbird. Si t'es un Hummingbird, ben c'est lui qui va pas t'aider. Puis si t'es tanné ton Hummingbird, ben Lawrence, c'est nous autres, ça. Fait que c'est ça. Ben, ce matin, le gars, on parle souvent avec. Il est vraiment correct. Fait que là, on est arrivé sur le spot. On a commencé à pêcher. On a déjà pogné une coupe de beaux dorés. Steve a pogné un proche 25. Moi, un 21,5. Steve, un autre 21,5. Robbie, il pogne rien comme d'habitude. Moi, je le call. Hey, Steve, 50 pieds à droite. Tom, ouais. Sort un 24 Roger, dans la face. En dessous. C'est fait ça. Fait qu'on va continuer de charter ce spot, checker avec l'active target, voir si on peut trouver d'autres beaux poissons. Puis on continue des hammered. So, keep going. Ça va se couper. Lève. C'est l'eau fond un peu. Il te suit, charge. Il te suit. Pow! Et voilà. C'est le target, so cool. Est-ce qu'il y a qui va me puiser ça ou ben? Nice fish. Flip ça? Non, il est beau. Ouais, c'est beau. Yes, sir. Thank you, mon pote. Timé, moi, 3-2-1, ça, gang, beau petit fish encore. Moi, c'est le Nedrick. Moi, le Nedrick, là. Il y a le big en dessous de la sonde, là. Fish on, big fish. Calme, s'il vous plaît. So cool, active target, hein? Nice fish pour eux. Pas monster, but... Oh, c'est tiré la plus gros que ça, pas mal. Still a nice fish. C'est déjà décroché. Je le pensais plus gros que ça, pas mal, mais... Beau petit combat.
Pretty fish. On va être un launcher, ça encore, hein? C'est dans le vivier. Là? Sur la cam? Not big. Not a biggie. Pas pogner le gros des deux, mais au moins. Fish. Ça te l'arrête beau? Oh, non. La caméra d'en arrière de tout, David. Poisson, finicky bite. Pas un big. C'est un launcher, ça? Oh, ouais, un launcher. Hein? Non, mais c'est dans le Viber. Ça va acheter. Ah, si je me suis trompé de vivier. Fish on. Nice fish, man. Oh. Peut-être. Ta ligne, Steve. Ah, ouais. Pike, man. Pike? Je sais pas, là. Pike, hein? On mange de walleye, hein? Espérons que c'est un gros walleye. Donne des bons coups de tête, en tout cas. Hé, j'ai-tu vu du walleye là-dessus, moi? Hé. Il cherche pas le fond tant que ça, par exemple. Pike. T'es ici, toi. T'es bien, le style. Yes, thank you. Regardez ça, c'est juste, Steve. Beau petit pike pareil. Bon combat. On va mettre ça à l'eau. Yup! Chasing me, he's chasing me, and there's a fish on! Mm-hmm. Let's hammer them, bro! Mm-hmm. So good we are, Rob! Bon, fait que là on est dans le school de 16-17 pouces. Dans le school de 16-17 pouces, ça va bien. Là, on s'amuse. Là. La pêche a été plus difficile. On a essayé d'écouter les spots des autres qu'on s'est fait dire. Puis, ben, on est bon à trouver nos spots. On pêche dans des spots que c'est overpêché. Quand on trouve nos spots, qu'il n'y a pas personne. Tau. Essayez qu'à trouver les spots des biggies. Fait que là, j'étais lousse un peu. Hey, c'est back à back, hein? Tout des beaux, hein? Ça nous prenait ça, là, aujourd'hui. On a pogné une couple de gros matin. Tu sais, on a juste pogné à 25 pouces, les gars, là. Non, mais tu sais, je veux dire... 25 pouces, 21,5, 22,5. Non, mais tu sais, je veux dire, pour du monde qui nous regarde, là, qui se disent que comment est-ce qu'ils font pour à chaque sortie pogner un over 20 pouces, là? Quand on braille, hey, là, on était dû, là, c'est 15 de journée de merde. On a pogné 2, 21, 25. Ça nous prenait ça, là, si on était sur le bord de tout vendre. Oh! Et Tim! Hey, Chris, on s'en va-tu pour un trip d'Apollon? Je l'ai manqué, je vais leur pogner d'être là. Bon! Et voilà! Deux lancés. J'étais trop loin. Deux fiches. Petit target encore, on le dira jamais assez, hein? Ah, viens. Hein? Un beau poisson. Il est trop tard, t'as mis ta ligne à l'eau, wow. Là, tu peux te un autre beau petit doré de 15-16 pouces. Come on, fish, qu'est-ce que tu penses? Troisième lancé, troisième fish. Je pisse le sang, je vais te pogner par un pike tout à l'heure. Oh, c'est beau ça! Très beau, man! Ah, il est juste très fort! Un poisson très fort!
Regardez ça, des back à back là. Tau, tau, tau. Quatrième casse, quatrième fiche, on y va. Oh oui, c'est sûr que ça en a un autre, ça. Puis, j'étais peut-être un petit peu en avant d'eux autres. Ah oui, bon vie, bon vie. Facile. Facile. 3, 2, 1. I, oh, ils ont viré de bord. Plus en direct, là. 3, 2, 1. Fish. Oh. Oh, fouillé dans mon sac de vie, même pas. Mon sac, hein? Non. Hey, t'as passé 18 de mes têtes de jig, là, je te pogne un robert par jour. Et voilà, un autre beau poisson. So much fun! Bon, fait que là, vous avez vu un peu sa cam que j'ai pogné plusieurs poissons à d'affilée. Fait que je vais vous montrer un peu ce que je vois dans le sonore. C'est quand même assez débile. Il y a du poisson ici, là. Il y en a, là. Fait que Robbie va filmer le unit. Avec la GoPro, on va pouvoir voir qu'est-ce que je fais. Fait que regardez ça autour de nous autres, comment il y a du poisson, là. Je vais me mettre, mettons, à 100 pieds de distance. Là, j'ai un petit Z-Man. Mais ça, c'est de Demon. Blue Demon. Avec une tête de jig Z-Man. 3-8. D'accord. Pas de leech, pas de verre. Pas de leech, pas de verre, rien. Donc là, je me suis mis à 120 pieds que je regarde tout le tour. Fait que là, vous pouvez voir ici là, qu'il y a un beau school de doré de 15, 16, 17, 18 pouces. Fait que là, je vais tourner ma pôle autour de nous autres pour voir. Regardez, là, je vois tout du poisson au loin. Là. J'en vois plusieurs. Là. Fait que tu sais, on le sait qu'il y a du poisson. Regardez ça, là. Il y a un autre beau school de poisson ici. À 120 pieds, c'est loin. Là. Fait que maintenant, je vais retourner sur le banc de poisson qu'on a devant nous autres. Je vais me mettre en 40 pieds. On va les retrouver. Regardez ça là. Regardez ça le nombre de poissons qu'il y a là. On va avancer un peu. On va torcer à la droite, avancer. Fait que vous pouvez comprendre là, que c'est pas le poisson qui manque dans le fond ici. Là. Fait que je vais leur lancer mon jig sur la tête. On va voir mon jig descendre. Fait que je lance ça direct là. Peut-être lancer trop à gauche un peu. Regardez, on voit mon jig à 20 pieds descendre. Juste ici. Là, je vais m'en venir passer au-dessus des poissons. On va les voir réagir. Ils attaquent super rapidement. Là. C'est sûr, ça fait déjà un bout qu'on leur lance sa tête. Là. Mais regardez ça. Là. On voit mon jig. Regarde, lui, il a eu peur de mon jig. Là. Mais regardez, il revient. Là. Il revient assez vite même. Oh. Regarde, il y en a un qui chasse mon jig. Là. Je pars en montant. Oh, regardez ça. Il n'a pas voulu le prendre. Ça fait plusieurs fois qu'on leur lance dessus, là. Fait qu'on a pris déjà plusieurs de ces poissons-là. Ok, je vais descendre mon jig au fond, voir. Regarde, là, je suis droit au travers d'eux autres. Là. Je vais repartir en montant. Et voilà. Donc là, comme on peut voir le poisson remonter vers la surface. Très cool. Aussi facile que ça. Un beau petit walleye. Pas un gros, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça marche. C'est sûr, c'est pas l'idéal avec la caméra. Oh, Steve, il y en a un avant. Fait qu'on trouve le poisson de même, là. Un petit school de petit. On va essayer d'en trouver un school de gros, on va faire la même technique pour m'en pogner autant. Fait que c'est pas l'idéal de filmer avec la caméra sur le sonore parce qu'il y a des reflets, vous voyez pas super bien, mais ça donne une bonne petite idée. Steve, il est dessus. Steve, t'es droit dessus. Il s'en va sur toi, Steve. Dans le fond. Fish on pour Steve. Big fish. Big fish. C'est un big fish? Over 20 pouces. Non. Et voilà. Nice. Il est over, on sait pas. Non. Il est pas si gros que ça, c'est resté pire dans l'eau. Oui, sous son nom, il avait l'air bien plus gros. Moi, c'était un 18-19. Un beau doré, par exemple, il s'est fait mordre dans le côté. Beau, belle couleur, hein. Franchement, hein? Belle couleur.
Ah ouais, ça dans le lunch. Ouais. Tu me mesurer mes têtes? Ouais, on va checker. Ah oui. 19 pouces. Ça va. Des beaux pareils, hein? Oui. Ça fait grosseur. Ça paraît assez gros sur le sonore, en esti. Bon, on vient de finir notre journée de pêche. On est pas mal toasté. Couché tard encore. Mon Steve, il a dormi tout habillé hier. Ouais. Tellement, que, dormi, tellement qu'on était brûlé. Fait qu'on a fini ça de bonne heure. On va faire de bonne heure. Petit... Il est quoi, là? Il est... Ben, on va pas faire la pêche du soir. Non, il est 6 heures, là, peut-être, ben? On est-tu là? Ouais, à peu près ça, 6 heures. À peu près 6 heures. Ben, hier, on a fait ça jusqu'à 9h30. À soir, on pêchera pas à soir. On va prendre ça chill. On va se faire un petit catch and cook. Il faut aller arranger nos dorés. On s'est gardé 6 dorés. Puis Steve va nous faire ça direct sur le feu là, avec sa grosse poêlonne de fonte. Là. Ça va être dans la gueule pas mal. Notre journée a été quand même assez dure, hein, David? Ben, ouais, non, ben regarde, ça a été dur. Ça a été dur pour nous autres parce qu'on a travaillé fort. C'est on a cherché gros des structures. C'est un nouveau lac quand même, on n'a pas c'est trop ça, d'expérience, on est venu des... T'sais, on essayait des affaires qui marchaient, tu sais, t'arrivais à ces spots, c'était pas tout le temps bon, ça te découvrait, fait que je veux pas m'amener... C'est ça, dans le fond, là, qu'est-ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui qui a pas été... C'est pas été bon, regarde, on a pogné 70 dorés à peu près, on a pogné 3-4 oversize, ça a quand même bien été. Sauf l'affaire qu'on a faite de pas correct, je pense, c'est qu'on s'est fié, pas ses spots des autres, mais tu sais, des conseils qu'on a eus. Puis il y en a un qui était bon. Oui, puis ça sortait carrément de nos expériences de pêche. C'était pas de même qu'on pêchait d'habitude, puis c'était pas le genre de place qu'on aime cibler. Fait que quand on s'est dit, OK, c'est assez, on va faire à notre manière comme qu'on on fait d'habitude. On check les waypoints qu'on s'était mis, puis on va aller checker. On a sauté dans notre carte Navionics, le plan de match qu'on s'avait donné avant de s'en venir ici. C'est ça. Puis là, c'est là que ça commence à payer, puis pogner plusieurs walleye. Pas mal ça. On était chanceux, par exemple, parce qu'il y a eu zéro goutte de pluie, même que gros soleil, ciel bleu, presque pas de vent, un petit peu de bourrasque, mais tu sais, en général, là, pas de vent, là, ça allait super bien. Yes, fait que là, c'est ça. Steve, il va arranger le doré, puis... Je pense que ça va être un pile ou face, ou je sais pas ouais, trop. Un pile ou face, ou un roche-papier-ciseau, ben pareil, ouais. Non, je vais y aller, Je vais y aller, moi. Ben c'est bon, regarde ça, je vais filmer Doré. Je vais filmer Robbie à ranger le doré. Puis il m'occuper des caméras. Tu vas filmer Steve en train de faire que le poisson. C'est ça. Après, je vais le manger puis vous me filmerez parce qu'il faut que je sois sur la vidéo. Ça va ressembler un peu à ça. Fait que on vous laisse là-dessus. On va closer la soirée, les caméras, les cartes SD. Bah, on va sûrement revenir tout à l'heure. On va sûrement. Le mec Robbie a pris deux bières. Dans deux, trois bières, peut-être même peut-être. Podcast, là, pas trop là, de. Mec, Robbie, ça étend de parler, mais on sautera ben, de vacances. Ça commence. Ouais. Ça commence. Fait que là, c'est ça. Fait que si on n'est pas revenu, c'est parce qu'on est trop brûlé, on est parti coucher, puis demain, on est prêt à cogner d'autres gros walleye. Yes, sir. À demain. Ou à tantôt.